Et bien ce monde, c'est XVSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Watch Dogs Légion Bloodline. Et il est où mon GPS? Voilà, il est là mon GPS. Alors c'est quoi ces gens là dans les voitures avec D'ailleurs c'est un truc spécial à faire avec eux plus tard. Oh! Oui! Nul. Voilà toi, voilà toi. Ah, je suis à côté. Magnifique reflet en tout cas sur la bagnole. Oh oui, Eden court. Oh oui, oh oui. Oh, regardez cette course là. Oh oui. Fermé. C'est mon signe. Si j'arrive à jeter un coup d'œil à l'intérieur, je pourrais peut-être le localiser et le prévenir. Alors comment je fais ça? Je sors le drone, je suppose. Fais ce que t'as à faire. Ouais, fais ce que t'as à faire. Vol! Waouh! En fait, t'as pas besoin. Hop! Yay! L'appartement de Jackson. On dirait un mélange de labo high-tech et de salle de muscu. Les pires sont ça dans le sang, je suppose. Prune pour manifestation. Je préférerais qu'il fasse pas de vagues, mais bon, je comprends. Oui, bonjour Jackson, c'est le docteur Ellis. Ma conférence est annulée, donc je serai là cette semaine finalement. Et je tenais à vous dire encore que j'admire vraiment les progrès que nous faisons en séance. Les traumatismes nous affectent d'une façon qui peut complexifier nos relations. Mais le fait que vous vous fassiez tant de nouveaux amis montre combien vous avez évolué. Enfin, rappelez-moi si vous souhaitez un rendez-vous. Au revoir. Il suit une thérapie. Bon, il doit y en avoir à qui ça réussit. Une bourse généreuse. Ça a toujours été un crack. Oui, ça doit être un crack. J'aimerais bien pouvoir pirater ce bidule là. Merci. Je peux entrer par la fenêtre. Il faut que je découvre où il est allé. Ah, magnifique. Est-ce que je peux pirater ça et... Excusez-moi! Désolé! Non, vous n'avez rien vu. Voilà, c'est bien comme ça. Ça me paraît bien. Comment est-ce qu'on quitte le mode piratage encore? Ah putain, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour le faire monter encore? Ah! Je pense qu'on est assez haut. Mais non!
On va y arriver cette fois, hein. On va y arriver là, hein. On va pas tomber, hein. Merci. Tout ça pour une fenêtre. Mais vous allez dégager tout de suite! Oh, c'est pas vrai! Oh, Clayton. Mais bordel, qu'est-ce qui va pas chez toi? Je t'ai pas vu depuis combien? Au moins 15 ans! Et tu rentres par effraction chez moi! C'est vraiment pas ce que je voulais, Jax. Excuse-moi. Mais t'es en danger. Non. Cette fois, je marche pas. Il fallait envoyer un mail ou un message. N'importe quoi. C'est comme ça qu'on procède. Jax, je peux pas. Je suis désolé. T'as dormi pendant 12 heures, Aiden. Y'a personne qui est venu. Jax, tu dois me faire confiance. Y'a des mecs pas nets à ta recherche, et ils plaisantent pas. Ouais, ça ira. Crois-moi, après cette histoire avec... toi, maman s'est assurée qu'on se prenne en main. Ok. Est-ce que tu peux laisser au moins un canal ouvert ? En cas de problème, je serai là en 3 minutes. Ouais. Ouais, je te laisse un canal, ça roule. Mais tu peux pas rester. La boîte est pour toi. Maman l'a amenée la dernière fois et... je sais pas pourquoi. Mais c'est tes affaires. Jax. Êtes-vous blessé? Êtes-vous blessé? Êtes-vous blessé? Ta gueule! Test. Canal ouvert. Comme promis. Bien sûr. Merci, Jax. Jackson, je préfère comme ça. Oui, d'accord. Pigé. Et Aiden? Si t'as besoin d'aide pour tes projets, là, il y a un pub pas loin du Parlement. La proprio connaît des gens comme toi. Elle sait où dénicher des trucs en tout genre. Je peux lui dire que tu vas passer si tu veux. Où t'as connu cette personne? Dans des manifs. J'y vais en tant qu'infirmier. Connie est en quelque sorte une amie d'amis. Tu réalises que tes histoires de manifs, c'est le meilleur moyen de te faire aligner. Les gens t'y ont déjà perdu. Ouais, mais bon, certaines batailles méritent d'être perdues. Écoute, faut que j'y aille. Faudra juste m'expliquer un truc. En quoi avoir une nouvelle tenue? Et swag, est-ce qu'il y a plus 10 en résistance contre les armes à feu, une connerie dans le genre, je sais pas, moi. Non, il y a rien d'autre. Mmh.
Parce que dans les faits, ça sert pas à grand chose. Passez par là, moi. Bonjour. Ah, le Brexit. Oh là là. Qu'est-ce que c'est loin. Boing. Ah mon dieu, nous allons avoir la légende Eden Pierce dans le... Ah, j'ai oublié que... Bonjour, cherche du boulot. Connie Robinson? Eden Pierce, il paraît que t'as le bras long. Tout à fait, Jackson m'a prévenu. Quand il m'a dit qu'Aiden Pierce allait passer, j'ai cru qu'il me faisait une blague, mais... T'es bien là. Alors, le renard a-t-il besoin de quelque chose en particulier? Le renard. Quelque chose d'insolite. Tiens. Ça me cloue le bec. Qu'est-ce que c'est? Un éclat de bombe qui a bien failli me tuer. Ça doit venir d'un détonateur activé par smartphone. Tu saurais où on peut se fournir ce genre de truc? Ouais. Je peux demander. Mais là, sans réfléchir, je connais une nana qui m'aide à importer des biens insolites. Commence par là. Peut-être. Une contrebandière. Si quelqu'un sait où se fournir en pièces de bombe. Exact. Je t'envoie une adresse sur ton optique. Mais... Aiden? Ça, c'est un service pour Jackson. Si tu veux d'autres coups de main, il faudra les mériter. Entendu. D'ailleurs, si j'ai bien compris, dans le jeu, apparemment, si on veut améliorer le personnage, on est obligé de faire la mission secondaire. Ami des bandits! Non, c'est pas moi ça. Attendez, c'est moi ou la carte est vachement plus petite? Ah, j'ai rien dit. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais passé des heures à farmer sur ce jeu? Pour rien au final, c'était un nul en fait. Non, je sais pas dire que c'était nul, Légion. C'était sympa, mais... C'était pas ouf, quoi. C'était pas assez Valhalla, même si on sent que la licence commence à décrépir un peu, mais... Bon, avec de la chance, Far Cry 6 sera à la hauteur de nos attentes. Ou alors on aura un Far Cry 3.5, hein. Pour pas changer, me direz-vous. Par contre, j'ai quand même hâte de voir cette histoire de Assassin's Creed Infinity, là, en mode jeu live service. Je suis curieux de voir c'est quoi l'idée d'un live service chez Ubisoft, hein, en vrai. Boing! Boing! Bonjour! Bonjour madame! Connie Robinson, ça te parle? Ah, c'est toi son kleps américain. Apparemment, t'es un genre de vieille célébrité, hein? Sans commentaire. Je cherche un endroit où on pourrait trouver de quoi fabriquer un gros stock de bombes. Ouais, enfin, tu vois, j'ai pas ça sur le bout de la langue, ok? En fait, pour tout te dire, j'ai un genre de désaccord avec Albion, qui me stresse un peu, mais si tu me filais un coup de main, je suis sûr que la mémoire me reviendrait, tu vois? C'est bon. Donne-moi les détails. C'est une embrouille toute simple, tu vois le genre. J'ai pas marchandé avec les bonnes personnes, et ma dernière cargaison s'est retrouvée bloquée dans un repère de fachos. Compris. T'éloigne pas. Ça prendra pas longtemps. Oh! Mais c'est qu'il a pas froid aux yeux, l'Américain! Bonne chance, hein! Ah, les Anglais! Dire que la Coupe de l'Euro, ils ont subi un deuxième Brexit. Bien fait pour leur gueule. Bon, on doit aller où maintenant? Putain, mais... Jackson. Je sais pas si tu m'écoutes sur ce canal en ce moment, mais... Juste au cas où, je tenais à te dire. La seule raison pour laquelle j'ai accepté ce job, c'était pour que ta mère et toi soyez plus jamais dans le pétrin. Enfin... Je veux dire... Sérieusement, Aiden,
Je fais mon doctorat dans l'une des meilleures universités de sciences du monde. Maman s'en sort très bien. On n'a pas besoin d'argent. J'ai pas besoin d'un flingue non plus. Mais je suis bien content d'en avoir un en cas de problème. Non mais écoute-toi, t'as accepté ce job parce que t'aimes tirer sur des enfoirés et sortir des phrases de ce genre. Ça, c'est faux. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je me fais distraire. Je devrais y aller. Ouais, moi aussi. On a perdu le visuel de la cible, à vous. J'avais pas vu que c'était un flic. Central, on rentre au QG. On l'a vu il y a 2 secondes, mais on rentre au QG, Central. Oui. Il n'y a pas à dire, hein. Ce genre de jeu en open world, ça vaudra jamais GTA, quoi. On pourra dire ce qu'on veut. GTA sera toujours au-dessus, hein. Celui de conduire des bagnoles et se balader en ville. Défi, ouah, qu'est-ce que j'en ai à branler. Dégage, allez Oust. Tu dois t'en approcher. Ok, ça te presse dans des petites boîtes. Petites? Pas un énorme coffre de flingues? Tu connais le dicton. L'uranium appauvri, il en faut peu pour être heureux. Du quoi appauvri? Ouais, à ce propos, tu devrais utiliser un drone de livraison ou un truc du genre pour transporter ça. Si jamais il n'était pas si appauvri que ça. J'ai justement récupéré un gadget qui devrait faire l'affaire. C'est toi qui vois. J'ai garé un van à proximité, avec un intérieur doublé en plomb. Tu devrais t'en servir pour le transport. Je parie que si je me rapproche trop, il va me voir, c'est ça? Bon, hop. Ah, ça marche bien comme ça. Et merde! Allez, salut! Oula, c'est lourd, ça se voit. Oh mon dieu! Galère le drone. J'aurais préféré tuer tout le monde, mais bon. Et quoi, touche pour lâcher encore? Hop. Wow. Là, je crois que j'aurais pas. Ouais, je m'en doutais trop. Ah, par où est-ce que je pourrais passer? Bon, hop. De toute façon, j'ai récupéré la clé, c'est pas mal. Ouh. Pas encore considéré comme en zone dangereuse. Ok. Je suis pas sûr que je peux le. Ouais, boum! Il y avait juste moi. Je vais me foutre dans un coin pépère. Comme où est-ce que je pourrais utiliser le drone? Ok. Ouais. C'est parti. Allez, salut. Est-ce que j'ai assez de... Ah putain, hors de portée, mais chier. Sérieux là? Est-ce que j'ai cette portée d'ici?
faut essayer de maîtriser. Ouais, je peux pas le... Toto ? Il est le prochain. Personne. C'est nul. Mais c'est nul. Putain, vous êtes sérieux, je dois vraiment descendre jusque là juste pour faire le largage. J'ai ta marchandise, mais je crois qu'ils ont remarqué qu'elle avait disparu. Je vois qu'on me poursuit. Je suis sûr que tu vas t'en tirer. Voilà un point de livraison. Tu pourras y aller dès que tu les auras semés. Bien reçu. Je m'y rends. Sérieux, mec? Tu fuis des mercenaires à bord d'un van rempli à ras-bord de munitions anti-char ultra chères et t'en profites même pas pour t'amuser? Gardons ce canal pour les urgences. Je dois me concentrer. Ouais, je sais plus trop comment est-ce qu'on fait, moi, pour ce genre de choses. Et merde! Ça va être temps d'axe, voilà. Ah, mais lâchez-moi un peu! Oui! Mais non, mais... What? Allez, va te faire voir le jeu. J'arrête là. Allez, sur ce les gens, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la attitude. Comme je m'occupe, vous connaissez la chanson, vous connaissez la chanson, le dicton, je vous laisse. Je fais l'un pour tout partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Tchabar et Boussy Boutier et que l'amour du pays soit avec vous. Peace.